Le programme OpenAI est construit sur quatre axes. Un axe entreprise, qui a pour objectif de permettre aux étudiants de mieux connaître le monde professionnel. Un axe esprit d'équipe, qui va donc développer leur capacité à travailler ensemble de façon positive. Un axe challenge, qui va développer chez eux leur capacité à se dépasser sur des choses qui peuvent être très complexes, comme participer à des concours internationaux ou passer des certifications professionnelles. Enfin, le dernier axe, c'est l'axe communication qui va permettre à chacun de développer ses qualités relationnelles, ce qui est fondamental dans les métiers auxquels il se destine. L'OpenAI, c'est un ensemble d'activités, qu'elles soient à l'intérieur de l'école ou en dehors de l'école, qui vont rapporter des points aux élèves. Et tout ça, c'est parti il y a 3 ans, je pense, à peu près, du concept de casser l'image du geek qu'il y a dans les écoles informatiques. Le club des entrepreneurs qui s'inscrit dans la vie associative de l'ESGI est un club qui permet aux étudiants de se familiariser avec l'intégralité des démarches de création d'entreprise, de l'étude de marché, de la conceptualisation de l'idée jusqu'à la réalisation et le dépôt des statuts. L'ESGI, environ 15 équipes qui sont encadrées par le club des entrepreneurs et qui bénéficient de conseils d'experts à travers des ateliers, à travers des conférences et à travers également des séances de coaching personnalisées. Ici à l'ESGI, on a monté une association qui s'appelle Geste Solidaire, qui permet aux étudiants du réseau de participer à l'aventure 4L Trophy. Donc le 4L Trophy, c'est un raid humanitaire étudiant pendant lequel on part avec nos 4L. Les équipages sont composés de 2 personnes et on part avec dans notre coffre des fournitures scolaires qu'on va aller donner aux enfants du sud marocain.